Il y a des gens derrière dont l'intention est carrément de renverser ce système-là. Luc Laliberté. Contre, pas une refonte du système. On est contre le système, point. La rencontre Laliberté, Martineau. Alors, je sais, Luc, on devait parler d'Andrew Tate et on va en parler, mais d'abord et avant tout, à tout seigneur, tout honneur, oui. Monica Lewinsky. Parle-moi de Monica. Okay. Écoute, je ne m'attendais pas à te parler de Monica Lewinsky, pas cette ben année, oui. Peut-être jamais même. mais elle s'est fendue d'un texte d'opinion pour Vanity Fair que j'ai trouvé plutôt intéressant. Ça a peu de chance de se matérialiser ce qu'elle propose, mais je trouvais que les idées étaient entre guillemets de leur temps. Donc Monica Lewinsky dit, moi je trouve que notre démocratie est en péril. Et voici ce que je propose, une série d'amendements que je propose pour nos politiciens et je pense que notre démocratie n'en sera que plus forte. Demain, moi, je veux te parler d'un sujet justement qui est une menace pour la démocratie. On en discutera demain matin, mais la Cour suprême va se prononcer sur quelque chose qui risque d'ébranler les colonnes du Temple. Donc, je trouvais que la veille du début de cette cause-là, que Monica Lewinsky nous parle de démocratie et que ses solutions m'apparaissent vraiment intéressantes, ben écoute, on fait d'une pierre deux coups, on va joindre les deux sujets un après l'autre. Par exemple, dans ce que suggère Monica Lewinsky, elle dit « Moi, je considère que dans notre système, il y a beaucoup de choses qui reposent sur la confiance qu'on a dans le système et sur les gens qu'on va élire, qu'on va mettre en place. » Et elle pense bien sûr à la personne du président. Monica Lewinsky, il y a de très, très nombreuses années, a payé un fort prix, finalement, je pense, au plan personnel d'une relation avec le président de l'époque, avec Bill Clinton. Donc, elle dit, moi, il y a une chose que je commencerai par régler. Est-ce qu'un président américain, parce qu'on n'a rien décrit d'une part là-dedans, la Constitution, on peut jaser avec des profs d'histoire, avec des constitutionnalistes, mais elle dit, est-ce qu'un président peut s'accorder un pardon? Bill Clinton n'a jamais poussé l'audace jusque-là, hein, au début des années 90, milieu des années 90, mais on sait que Donald Trump a dit qu'il avait le droit de faire ça, et il y a un certain nombre de constitutionnalistes proches des MAGA ou proches de Donald Trump qui disent « Ouais, c'est possible. » Dans ma tête, ce n'était même pas une question qu'on se devait d'aborder, parce qu'on se disait « Écoute, il est juge et parti, là. Est-ce qu'il peut s'auto-pardonner, finalement, même si l'expression est bancale? » Donald Trump dit « Oui, j'ai le droit de le faire. » Et le gros problème, c'est qu'il n'y a rien d'écrit dans la Constitution. Et il n'y a pas que sur ce volet que la Constitution est silencieuse, parce que, et ça aussi, ça se discute, mais je pense que les pères fondateurs avaient jamais imaginé qu'on pourrait voir ça sous cet angle-là. Donc, le pardon, c'est pour les autres. C'est pas un pardon qu'on pouvait s'accorder. Mais comme il n'y a rien écrit, ben écoute, allons-y chacun de nos orientations ou de nos interprétations. Elle dit aussi, dans les choses intéressantes, on vérifie des antécédents pour plein de gens quand ils ont des habilitations de sécurité, par exemple. Elle dit, est-ce qu'on a une vérification d'antécédents pour les candidats à la présidence ou pour quelqu'un qui devient président? Est-ce que systématiquement, on fouille dans l'ensemble des dossiers pour être certain que la personne, hein, que cette personne-là est exempte de tout doute ou de tout soupçon, donc elle n'a rien fait d'illégal? Dans l'entourage de Donald Trump, on se rappellera qu'on le président avait nommé dans certaines fonctions déjà envers qui les services de sécurité avaient émis des réserves très, très sérieuses. Je pense à Michael Flynn, par exemple, qu'on a fini par mettre de côté. On avait parlé de Jared Kushner, par exemple, hein, le gendre du président qui était très, très, très près, proche conseiller du président. Mais derrière, il y avait soit le FBI, soit les services de renseignement qui disaient « Attendez un peu, vous devriez pas leur laisser une si grande place. » Donc, Monica Lewinsky dit « Rendons ça obligatoire, incluant pour le président. » Dans les choses qu'elle avance aussi, puis que je trouve intéressant, est-ce qu'on devrait pas fixer un âge à la retraite? Donc, pour tous les élus. Donc, elle dit pas passé 80, elle ne donne pas d'âge à la retraite, mais elle dit, on devrait, je pense, fixer une limite. Ce qu'elle souhaite, elle, c'est le renouvellement. Elle ne laisse pas entendre ce qui prêterait flanc à des accusations d'âgisme. Donc, elle ne dit pas les gens passés 80 n'ont plus les moyens, hein, d'être là, cognitifs, physiques. Ce qu'elle dit, c'est finalement,
dans notre système politique, on a des politiciens qui restent en place très, très, très longtemps. Si l'expérience est une bonne chose, est-ce que de l'autre côté, on n'est pas en train de tuer une forme de relève ou un potentiel de renouvellement des idées? Moi, je pense que oui, c'est toute une génération. Ce sont des questions super intéressantes dans le dernier Vanity Fair américain, bien sûr. Oui, voilà. Andrew Tate, bon, ce masculiniste-là, on sait que la presse a publié un long reportage en trois parties sur la montée du masculinisme. Isabelle Haché a écrit là-dessus, tout ça. Toi, t'en as parlé avec tes étudiants. Les jeunes dans la vingtaine, ils pensent quoi de ça? Les jeunes hommes, qu'est-ce qu'ils pensent du mouvement masculiniste? Écoute, j'ai trouvé ça très intéressant parce que, comme prof, peu importe mes idées personnelles, c'est comme ça dans une foule de métiers. Je prends les jeunes comme on voit, comme ils sont. J'ai un mandat en termes de connaissances puis de compétences. Je dois les amener un peu plus loin que là où je les ai pris, en théorie, puis idéalement, beaucoup plus loin. Mais en même temps, je me soucie toujours de les connaître, ces jeunes-là. Je veux savoir ce qu'ils ont vu au secondaire. Je veux savoir ce qu'ils ont vécu. Je veux savoir ce qu'on pense d'eux. Mais surtout, je veux savoir ce qu'eux pensent. Et c'est un hasard que ces articles-là débarquent un peu en même temps. J'ai constaté d'abord, je l'ai fait dans deux de mes groupes hier, personne n'ignore qui est Andrew Tate. Donc, ça démontre déjà que le personnage a réussi une partie de ce que lui s'était donné comme mission, finalement, faire parler de lui, être connu, générer de la circulation sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Et dans les réactions, écoute, il y a certains étudiants qui ont accepté de se confier ou, dans certains cas, de parler de leurs amis. Hein, on va parler de quelqu'un qu'on connaît plutôt que de parler de soi. Mais là, j'ai vu que chez certains, Andrew Tate était vraiment ou pouvait être considéré sous un jour positif. Les révélations de l'été dernier ou les révélations récentes en Roumanie, les accusations de trafic humain, des accusations de viol, ça, c'est comme venu jeter, bien sûr, de l'eau là-dessus. Ça a été une douche d'eau froide pour plusieurs. Et j'ai trouvé intéressant qu'ils acceptent de m'en parler. Parce que au travers de tout ce qu'on a dit, puis je pense entre autres à un texte d'Isabelle Haché qui disait, grosso modo, c'est un phénomène, Andrew Tate, c'est surtout un phénomène attribuable aux réseaux sociaux. C'est l'efficacité des chambres d'écho puis des réseaux sociaux qui explique sa popularité. Et moi, je pense que c'est se limiter. Je dis pas que c'est faux, bien le contraire, mais je pense que dans tout ce qu'on a fait dans les dernières années, autour de la masculinité, autour de la lutte pour la reconnaissance des droits des femmes, une plus grande équité, les minorités, je pense qu'en voulant être très, très inclusif, une des choses qu'on a oublié, c'est de parler à nos gars. J'évoquais hier dans un texte la théorie du genre qui s'est frayé un chemin dans les écoles, dans laquelle, sans en être un expert, là, je trouve qu'il y a du bon, je trouve qu'il y a des choses qui devaient être dites. Mais essentiellement, quand on parle de théorie du genre, ça concerne un très faible pourcentage de la population. Et je me dis qu'on s'adresse et qu'on soit plus inclusif, qu'on s'adresse à des gens qui se sentent rejetés, pas inclus, qui veulent être reconnus. Comme prof, je ne peux que vouloir ça. Et Luc, quand tu es un jeune garçon, puis on parle tout le temps de masculinité de façon négative, c'est toxique, c'est mauvais, les hommes doivent pas se présenter pour QS, etc. À un moment donné, j'imagine que ça crée justement un engouement pour des gens comme Andrew Tate. C'est-à-dire que tu vois, je le voyais moins là comme le fait qu'on ne me parle plus. Je les sens pas, en tout cas, écoute, c'est pas un échantillon représentatif, pas du tout. Là. Je partage pas le fruit d'une étude scientifique avec toi ce matin, mais ce que j'ai plus remarqué, c'est bien sûr qu'on veut être inclusif. Puis écoute, juste je regarde les gays qui sont au collégial maintenant. On se cachait quand j'ai commencé à enseigner, puis maintenant on est capable de vivre normalement, d'afficher sa sexualité normalement, sans en subir les contre-coups. J'espère que ce sera le cas pour tout le monde. Mais il reste que chez certains jeunes hommes, au travers de ça, c'est moins que d'autres aient effectué des gays ou qu'on parle de la réalité des autres, c'est plus qu'on ne les interroge pas. Et j'ai l'impression qu'on retrouve dans Andrew Tate, puis c'est ce qu'on a vu en Angleterre, c'est ce que j'ai lu pour les États-Unis aussi, c'est, écoute, quand le gars, si on oublie le discours sur les femmes, c'est énorme, là, je le mets en parenthèse, mais quand le gars dit « vous méritez votre succès, faut travailler fort, faut s'impliquer, vous l'avez pas, vous vous investissez ou pas »,
Il s'adresse à plein de gens quand il dit ça. Bien sûr, ça sous-entend qu'on va taire ou qu'on va mettre de côté un discours ou une image de la femme à laquelle, je pense, aucun homme ne souhaite être associé. Mais il y a d'autres messages qui vont chercher les gars et que peut-être ces messages-là, on n'a pas pris la peine de les partager ou d'interroger nos gars là-dessus. Donc, on est allé avec beaucoup de clichés, hein? On est allé avec beaucoup d'images fortes. J'ai jamais eu de problème, grosse confidence aujourd'hui avec ma masculinité. J'ai jamais l'impression qu'on m'a privé de quoi que ce soit. Mais j'ai l'impression que globalement, toi, moi, les hommes, on se comporte pas comme la génération de mes grands-parents, en général. Donc, il y a eu un progrès. Notons-le, on va s'en réjouir. Mais en même temps, continuons de parler à nos gars. Si on veut être inclusif, bien sûr, allons chercher des minorités, puis des minorités qui pouvaient pas s'exprimer. Mais oublions pas que nos gars sont là, puis interrogeons-les. Oui, c'est ça. Parlons aux gars et écoutons ce que les gars ont à dire aussi. Voilà. Parce qu'ils se laissent un peu, ils se sentent un peu mis de côté. Merci beaucoup, Luc. Demain, on se parle de la Cour suprême américaine. Merci. Oui. Salut. Une bonne journée, Richard. Merci, bonne journée. Merci à toute l'équipe. Hein, les gens qui sont derrière la régie sont aussi importants que ceux qui sont derrière le micro. Donc, pour la recherche, Maxime Sayer, Florence Lamoureux, merci beaucoup. Jean-François Roy, à la réalisation, à la mise en onde. Merci pour ton travail. C'est Benoît Dutrisac qui prend la relève. On se reparle demain, 8h30. Passez une excellente journée. Cet épisode est maintenant disponible en balado et vidéo sur l'application et le site cubradio.ca, la plateforme audio québécoise où les contenus francophones sont fièrement en vedette. Coucou! Ça va? Oui, très bien. Ah, voilà, je t'entends, là, en stéréo. Oui, puisque j'avais juste une oreille. Là, je t'entendais en mono, je t'entends en stéréo. OK, là, je me vois et je vois votre studio. Oui, je vois Benoît. Exactement. Oh, c'est bien. Bonjour. OK. Une radio pas comme les autres. Cube Radio. Depuis 2018. Des sujets chauds, des débats brûlants, des opinions enflammées. Des animateurs qui échauffent les esprits et les idées.
Alexandre Dubé, Richard Martineau, Benoît Dutrisac, Yasmine Abdel-Fadel.